Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le clavier gamer, rétroéclairé, touche silencieuse. Ça, on va le regarder après. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et une fois que vous avez regardé la vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce haut, ça me fera toujours plaisir. Merci d'avance. Donc maintenant, je vous présente le clavier gamer. Bonjour, voilà le clavier gaming. Donc c'est le KR6300 avec rétroéclairage. Il est vendu par Bretagne Accessoires Discount. Donc on va regarder ensemble comment il est fait. Mais bon, on le voit ici, hein, on voit la référence, un hein, KR6300. On voit qu'il est rétroéclairé. Très bien, on voit que c'est pour les joueurs, hein, il est vraiment très bien fait. On voit que c'est un clavier QWERTY. Donc c'est idéal au niveau de la position des doigts sur les touches. Hein. Pour les joueurs, c'est bien mieux qu'un AZERTY en tout cas. Donc très bien. Et ici à l'arrière, on a les différentes fonctions du clavier. Donc on va regarder le clavier ensemble. Donc voilà le clavier. Donc on voit bien que c'est un QWERTY. Hein. Donc on le voit ici. Hein. Donc très bien. On voit aussi que les touches ne font aucun bruit. D'ailleurs, mes articulations font plus de bruit que les touches. Donc ça c'est très bien. Ici on voit l'indicateur de différentes positions au niveau des touches. En dessous, on a la partie, alors en dessous, vous avez cette partie-ci qui va vous servir à ôter les touches. C'est-à-dire qu'on va pouvoir changer les touches de place si on en a envie. Hein. C'est-à-dire qu'on va le passer de QWERTY en AZERTY si on en a envie. Pourquoi pas? Sans aucun souci. Hein. Il suffit d'ôter les touches et les replacer. Ici, vous avez pour positionner le clavier les patins antidérapants pour qu'ils restent bien en place. Et le câble. Donc, comme vous pouvez le voir, le câble, très bien. Très bon câble. Il n'y a pas de souci là-dessus. On va regarder ça ensemble. Donc voilà. Donc vous pouvez voir que le câble est grand. Il fait 1,50 m facilement. Hein. Donc ça, c'est très bien. Donc les touches. Alors je vous avais dit, on va regarder tout de suite. On va ôter une touche. Je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Je prends la clé qui est ici. Je vais prendre cette touche-là. On va dire hop, j'ai envie de la l'ôter. Et voilà, je l'ôte. Tout simplement. Donc, comme vous pouvez le voir, pour le nettoyage, facile, il n'y a pas de souci. Vous nettoyez votre touche, vous la replacez si vous avez envie. Parce que ça, c'est toujours bien d'avoir un clavier où les touches sont facilement ôtables et facilement nettoyables. Je la positionne et voilà. Il n'y a pas de souci. Facile à nettoyer, propre, étanche. Hein. Comme vous pouvez le voir, c'est bien fait. Alors, je vais vous montrer ici. Regardez. Ça, c'est génial. Hein. Parce que combien de fois qu'on a joué avec un clavier, qu'on a renversé des choses dessus, là, facile à nettoyer, agréable. Hein. Alors moi, je sais que j'aime bien avoir un clavier qui est propre, facile à nettoyer. Voilà, j'ôte une touche, j'ôte celle-ci, je l'ôte, je la repositionne. Une fois que j'ai nettoyé, et voilà. Et elle est partie, il n'y a pas de souci. Donc vraiment, vraiment très bien. Moi, j'adore. Ça, c'est très, très sympa. Donc voilà, on le positionne. Donc, je vais prendre mon PC et on va le brancher sur le PC. Donc, voilà, j'ai installé le PC. Donc, maintenant, je vais brancher le clavier au PC. Voilà. Donc, le clavier est branché au PC et on peut voir qu'il est rétroéclairé. Belle couleur, hein, rouge, bleu, vert. Là, on tourne dans les roses, violets. On repasse dans les bleus, les verts, les rouges, oranges. Vraiment, vraiment très joli. Hein. Ça va améliorer largement votre setup. Hein. Alors, comme vous pouvez le voir ici en dessous, hein, on voit les couleurs, les différentes nuances. C'est très génial. Ici, on voit que l'écartement, il est bien fait. Vraiment, vraiment bien. Donc, on peut l'éteindre ou l'allumer, mais moi, je le laisse allumer. De toute façon, je l'ai acheté pour qu'il soit rétroéclairé, donc je le garde rétroéclairé sans aucun souci. Stable, vous pouvez le voir, très stable. Les touches, pas de bruit, impeccable. QWERTY pour le jeu, génial. Franchement, j'ai rien à y reprocher. Très bon clavier, on peut ôter les touches, les nettoyer. Moi, j'adore. Un très bon clavier, très réactif, hein, il n'y a aucun souci. Donc c'est un clavier pour gaming, il est vendu par Bretagne Accessoires Discount. C'est un clavier que je vous conseille, sans aucun souci. Il est joli, il est qualité, rétroéclairé, silencieux, touche réactif, on peut changer les touches de place, QWERTY pour le jeu. Je vous le conseille sans aucun souci. Allez, faites-vous plaisir. Bon jeu.